Tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre zap de l'actualité high-tech du 17 juillet 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours pour le meilleur de l'actualité high-tech en provenance de Chine. Allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG vidéo ou peut-être tous ceux qui vont s'abonner aujourd'hui. Spéciale dédicace, méga dédicace à tous ceux qui vont mettre un petit pouce bleu pendant cette émission. pas grand chose, mais ça permet, de bah, supporter un peu l'aventure. Et enfin, on remerciera. Alors, on n'a pas eu de mécène hier, donc c'est toujours les mécènes d'avant-hier. Voilà, ils sont sur la liste. Si toi aussi tu veux devenir notre mécène et un petit peu notre producteur du jour, tu peux faire un super chat en bas, ou alors tu peux m'offrir un café sur Tipeee, et donc, du coup, bah, tu prendras leur place, et puis, bah, ton nom restera jusqu'à ce que, bah, qu'on t'en remplace. Allez, on commence par cette première news, puisque Xiaomi a annoncé pas mal de nouveaux produits dans l'écosystème Xiaomi, les produits connectés de chez Xiaomi, etc., etc. Deux produits qui étaient plutôt intéressants. Bon, hier, on a parlé du Mi Band 5, que vous découvrez en review demain matin sur G&G Review. Et, euh, ils présentaient deux trottinettes, dont la Xiaomi 1S, qui a la particularité d'être une espèce de trottinette light mais vraiment pas chère puis une trottinette électrique pro 2 dans une déclinaison spéciale qui sera une édition spéciale Mercedes AMG Petronas F1 team <laughs> non te <tôt de> tueux. <laughs> avec tout ça bon si on doit parler un petit peu des trottinettes on va commencer par la trottinette la 1S qui est certainement la moins chère de deux, Alors, c'est une trottinette classique et c'est vrai que depuis la 365 de chez Xiaomi, tout le monde a découvert un petit peu la marque, certainement grâce à, à ce modèle-là. Bon, c'est un modèle qui est plus léger, hein. on peut 25 km d'autonomie. Bon, pas une vitesse de dingo et tout. Mais c'est vraiment un modèle light et surtout c'est un modèle pas cher. À partir de 399 euros, c'est pas mal. Bon, un peu plus spéqué, on aura la Mi Electric Scooter Pro 2. Bon, bah là on est sur quelque chose qui est quand même un peu plus sympa. Une autonomie jusqu'à 45 km. Bon apparemment elle dit qu'elle peut aussi grimper de la pente. Bon un moteur, de la batterie et tout, elle est quand même plutôt classe. Hein. Là on est quand même sur un, un modèle un peu plus sympa. Bon forcément un petit peu plus cher, mais pas mal. Et surtout le modèle qui nous intéressera, ça sera le, la version AMG Petronas. Alors Petronas, on s'en fout, les shampoings c'est pas trop parce que je le vois bien. Mais on va plutôt... AMG Mercedes, ils vont sortir une édition spéciale. Bon forcément elle sera allégée, peut-être elle sera un peu plus performante. Si on part sur la Pro 2, elle fera déjà 499 euros. Donc 100 euros de plus que l'autre, mais elle a plus d'autonomie, elle va plus vite et il y a plus de fonctions. C'est pas mal. Les deux produits sont connectés, bien évidemment. La version Petronas risque de prendre 100 ou 200 balles dans la gueule, quand même, hein, pour des performances certainement un peu meilleures. Mais il va falloir payer la franchise. Après, voilà, c'est intéressant. 399 euros une trottinette. Bon, ça reste quand même une Xiaomi. 499 pour pour la version Pro 2. Bon, après, forcément, je pense que vous comme moi, parce que vous attendez, c'est la MG, même si elle risque d'être trop chère. Bon, hier également sans grande surprise, <laughs> Realme a annoncé que eux aussi ils allaient avoir des chargeurs de 125 watts. Alors c'est pas une grosse grosse surprise puisque je vous rappelle que Oppo, Vivo, Realme, Oppo et iQoo font partie du même groupe de BKK électronique. Donc du coup ils développent des technologies, et après bah, c'est facile pour eux de le distribuer un petit peu. Alors encore une fois bah, c'est bien, ils l'annoncent, hein, ils en sont capables, ils vont le faire. Après il n'y a pas de téléphone pour le moment, hein. maintenant il ne reste plus qu'à attendre un petit peu les téléphones pour voir, mais on sait qu'on pourra aller de crête à crête jusqu'à 125 watts. Ça veut dire une charge de ouf en 20 minutes quoi. Bon après, il faudra attendre les premiers téléphones, mais bon, comme ça fait partie du même groupe, c'est pas une news qui est, euh, qui est incohérente. Et en revenant dans la news, la marque IQOO, qui est une sous-marque en fait de la marque Vivo uniquement en Chine pour le moment. Et c'est vrai que même Vivo, hein, pour l'instant, ils étaient vraiment très très en Chine. Après, avec les Jeux Olympiques, ils ont essayé d'aller un peu en Russie et tout. Ils essaient de se développer, même peut-être moins agressif que Oppo hein, sur le développement international. Ils ont leur sous ça s'appelle la marque IQOO. et comme à chaque fois quand ils veulent lancer une marque, ils vous font des téléphones de dingo à des prix de dingue voilà pour ça, tu dit, oh là la marque elle est trop bien et tout puis après bon ils augmentent un petit peu leur prix ils vont annoncer le iQOO U1 qui aura la particularité d'avoir un processeur Snapdragon pour ceux qui sont un peu anti médiathèques et qui s'annonce euh, directement comme euh, le Redmi Note 9 Killer bon le téléphone il est pas si mal que ça hein. un écran de 6,53 pouces Bien, euh, avec un, un lecteur d'empreintes digitales intégré dans le bouton sur le côté, pas mal. Le Snapdragon 720G, donc le nouveau processeur, on en a parlé également. Au niveau de la mémoire, on est sur 8 Go de RAM plus 128 Go de ROM, Bien. D'une batterie de 4500 mAh, anciennement, moment, charge rapide. Parce qu'avant, 18 watts, <laughs> c'était bien, c'était rapide. Bon, le problème, c'est que maintenant on est à 125 watts. Donc du coup, on est 10 fois plus presque. Donc bon, euh, 18 w c'est quand même de la charge, on peut dire, un petit peu rapide. Au niveau des caméras, à l'arrière, 48 plus 2 plus 2, donc on est quand même un petit peu dans la norme. Et le prix de l'animal, bon bah par contre, lui, il défonce tout, en 8 plus 64, il ne fait que 171 dollars, c'est-à-dire moins de 200 euros hors-taxe en Chine, encore une fois, 6 plus 128, 200 dollars, et la 8 plus 128, qui est la version un peu luxueuse, même si bon, je pense que 6 plus 128, ça pourrait suffire, fait 228 dollars, soit 200 euros hors-taxe en Chine. Alors, je vous rappelle, c'est des téléphones chinois pour les chinois. Souvent, il n'y a que anglais et des fois anglais chinois dedans sans les services Google et tout. Et c'est pas des roms qu'on peut trop trop bricoler à partir du moment où ils n'ont pas d'ambition pour l'international. Ils se vendent un peu en Thaïlande. Donc, du coup, est-ce que les versions en Thaïlande, donc, forcément, ont plus de fréquences et ont surtout les roms internationales? Alors, est-ce que c'est de l'import ou est-ce que c'est vraiment distribué ici à voir? Mais là, il faudra quand même bien avouer que pour 150 à 200 balles, Waouh, on a vraiment un bon téléphone, comme on avait sur le Redmi Note 9. Alors, c'est vrai que bah, Vivo euh, a aussi les moyens, euh, via IQOO, de, de défoncer un peu les prix et de, euh, bah, de faire jouer la concurrence. Allez, on continue dans les news, puisque tu kiffais déjà un peu le, le Snapdragon 865 ou le 865+, eh ben, il existe bientôt un 875G gravé à 5 nanomètres. Alors, on était gravé à 7 nanomètres, là. Apparemment, il parle de 6. 5 et il parle même de 3 apparemment pour, pour prochainement. Mais là c'est les processeurs qui vont arriver l'année prochaine. Bon bah ça fait partie des fuites de chez Mediatek. Alors, euh, réel, pas réel l'intérêt hein, c'est d'avoir des fuites. Un nouveau processeur hein, qui va quand même envoyer du steak Et là je pense que bah le problème c'est je sais pas si vous avez vu dans les derniers téléphones le lapin il prend déjà 600 000. Avant on avait 100 000 c'était la fête quoi 100 150 000 200 000 là maintenant on arrive à 600 000 bon c'est pas des processeurs qui vont être donnés hein. donc forcément ça va se facturer j'ai vu dans alors je ferai, vous peut-être me, me donnerait confirmation on parle entre 200 et 250 dollars le processeur alors comme je suis pas vraiment sûr je l'ai pas mis dans l'article pour pas dire de conneries mais ça me paraît cher quand même pour un processeur de téléphone ce qui justifierait qu'un téléphone vaut vite 1000 balles si le processeur vaut déjà 200-250 balles lui tout seul quoi. Donc le 875G sera encore mieux, encore plus puissant, il va vraiment défoncer le lapin. Euh, bah, Est-ce que ça fera encore des meilleures vidéos, des meilleures photos et tout Encore une fois, c'est un ensemble. Là. là on est vraiment sur du flagship de chez Flagship. Je sais pas à quoi sert cette course à la puissance sur les téléphones. Alors dans les news, puisque le Samsung Galaxy Fe évolue tout seul, alors est-ce que ça sera un feu un fan edition ou une version light du S20? Mais par contre, ça se confirme qu'il aura déjà un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pas mal, euh, et qui sera IP68. Donc ça veut dire que tu pourras euh, les téléphoner dans la piscine avec. Qui est... Oui, je sais, c'est pour les petits accidents de la vie, on est d'accord. Bon, après, on n'en sait pas plus, ça commence à fuiter. Alors, light, pas light, on sait pas. Enfin, on parle quand même d'un processeur qui sera bah, similaire à ce qu'on peut trouver sur les autres modèles. Euh, donc, est-ce que ça sera mieux, moins bien L'intérêt, ça sera surtout qu'il soit moins cher, pour les fans de la marque. C'est être fan. Oh, J'ai envie de chanter maintenant. Bon, il sera pas mal, il faudra attendre encore un peu le téléphone. Il se dévoile, euh, il dit il sera alimenté par le processeur 865 IP68 euh, un écran un capteur Samsung isocell à l'arrière de 50 millions de pixels enfin voilà la l'édition fan devrait avoir quelque chose de plus ou un prix être fan. <laughs> et enfin on continue dans les news, ça y est la version du Honor Magic sous euh, processeur Ryzen est enfin officielle, je vous rappelle ils avaient déjà sorti avec le processeur Intel mais là c'est avec le nouveau et apparemment en plus c'est le nouveau Ryzen qui est encore plus puissant, plus mieux, plus génial. Bon, une édition alors le Ryzen 4000H je sais pas du tout quoi on parle. <laughs> donc, du coup, ce processeur sera beaucoup plus véloce et donc notre notebook sera beaucoup, beaucoup plus adapté au gaming. Comme ça, si vous voulez jouer un petit peu avec votre laptop, ça sera pas mal. Bon, au niveau de, de la machine, on est bon. Un processeur de dingo, forcément. La mémoire, 16 go de RAM. Bon, euh, après, euh, on aura certainement beaucoup de mémoire en 256, 512. Enfin, fait, dans la déclinaison, les prix. Bon, l'appareil, il est quand même plutôt joli. Un écran de 16 pouces en 1080p. C'est pas mal, hein, euh, pour ceux qui étaient un peu intéressés pour un MacBook qui vaut hors de prix. Là, on a quand même une machine de guerre. La batterie sera donc bien annoncée avec la nouvelle charge rapide de 65 watts que Honor nous avait annoncée. Je me rappelle, un MacBook Pro 13 pouces, on était déjà à 60 watts. Donc 65 watts, ça paraît pas incohérent, en 20 volts 3A. Ça doit être certainement ça. Les prix et disponibilité, bon là, par contre, c'est pas mal, hein. C'est là où on tire un petit peu son épingle du jeu. Euh, la version, alors édition R5, donc avec le 4600H16 plus 512, vaudra 4000 presque 700 Yuan en Chine, soit 671 euros. Ça fait du 600 650 balles, tu vois. Le R7, 4800, tchut, 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 putain encore mieux que ce... 16 plus 512. Ah là ça commence à être sympa là. Par contre, hein. vaudra 5199, soit 750 dollars, donc 700 balles. Euh, c'est pas mal, <laughs> c'est pas mal. Je veux dire, voilà, pour 700 balles, là, t'as quand même une belle petite machine de guerre avec un processeur de fou, de la mémoire, un truc bien optimisé, il euh, y a du refroidissement et tout dedans. Bon, c'est un bel appareil, et à moins de 1000 balles, euh, voilà. Alors après, c'est du QRT en Chine et tout. Est-ce que ça va se développer en Europe J'aurais tendance à te dire que oui, puisque la gamme Honor, la gamme Huawei, elle est déjà développée avec la, avec la gamme euh, Intel dedans. Donc il n'y a pas de raison que le Ryzen n'arrive pas. Mais bon, 4000, 4600 et 4800, là à mon avis, euh, ça va commencer à envoyer du steak. Voilà. Si t'es un spécialiste du processeur et du gaming, explique-nous en commentaire pourquoi le 4800 va être encore mieux que le 4600. Et pourquoi cette série 4000, elle est incroyable En plus, il y a un H derrière. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce vendredi. On se retrouve bien évidemment samedi pour les news un petit peu de la semaine. On se retrouvera également dimanche. Là, par contre, on est toujours à 16h, mais on est en live. Donc, ça dure un peu plus longtemps. Et si vous avez des questions à me poser, c'est le moment ou jamais. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin d'après-midi. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. Bye bye. On enregistre. Et voilà pour la synchro. Oui parce qu'en en fait hier vous avez peut-être pas compris, mais comme il y a un petit décalage et je suis obligé de resynchroniser après, tac, j'entends le clac, hop, je synchronise, je mets mes pics en face. Incroyable. <laughs>